ensemble, donc voilà. On est tous les deux. Il est 10h30, il faut mourir de choses. Donc voilà. Donc on est juste au restaurant, juste devant l'hôtel, restaurant qui s'appelle La Croisette, tenu par deux sympathiques Français qui sont en train de prendre le petit déjeuner ici. Voilà. On va vous filmer l'aventure du restaurant et puis je pense que là on va essayer d'aller chercher un scooter et de voir si on s'habitue, parce que ici c'est la conduite à gauche. Donc on verra si on s'y fait. À tout à l'heure. Donc là c'est intéressant pour moi parce qu'il y a les massages, 300 bahts pour une heure de massage. Donc 300 bahts ça fait combien, je ne sais plus, 6 euros, un peu plus de 6 euros. Donc voilà l'entrée de l'hôtel, le Thai Palace Resort. Donc voilà, là vous voyez le petit étang. Et juste là, c'est chez nous. Là au-dessus, c'est notre appartement. Donc juste là. Voilà, salut à tous. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ce matin? On a pris le petit déjeuner, nous avons été nous rafraîchir un petit peu dans la piscine parce qu'il fait très très chaud. Voilà, hein, quand je dis très chaud, c'est très chaud. Et puis, il faut bien qu'on se déplace. Donc on s'est dit, soit on prend le tuk-tuk, soit on prend le taxi, soit on loue un scooter. Donc on a donc loué un scooter. Ouais. Bon bah déjà c'est pas cher, c'est 200 bahts pour la journée. Donc il était à peu près 11h quand on l'a pris, donc on doit le ramener pour demain à 11h. Ce qui veut dire, voilà, il y a des gens qui sifflent derrière, c'est pas bien grave. Ce qui veut dire qu'on doit le ramener pour demain, donc ça coûte 200 bahts. 200 bahts c'est quoi? C'est 5 euros, c'est rien du tout. Alors donc on a pris ce scooter, on a été faire le plein, et puis ben, on est parti au petit bonheur, la chance. Sans savoir où nous allions aller. Et évidemment, on est tombé où? On est tombé ici. On ne sait absolument pas où on est. Je vais regarder un petit peu les noms de l'endroit, etc. Et je vous les mettrai après. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait un demi-tour, comme ça, gentiment, tous les deux. Et on vous montre où nous sommes. Voilà, voilà. Et c'est évidemment, bien sûr, magnifique. C'est superbe. Il n'y a pas grand monde en plus. Il n'y a pas beaucoup de monde. Et voilà quoi, c'est splendide. Je vais essayer de monter sur le petit rocher juste derrière moi. Je vais aller et je vais faire une ou deux photos là au-dessus. Je suis donc au-dessus du rocher. J'ai réussi à monter. C'est pas très très haut. Enfin, je fais quand même attention parce que ça bouge. Enfin non, ça ne bouge pas, mais c'est moi qui bouge. Christelle est assise quelque part là-bas au bout. Et on est arrivé par la route. Là, juste sur la pointe de mon doigt, juste là au-dessus, il y a une route. On est arrivé par cette route-là, avec le scooter, qui descend jusqu'à cette petite plage. Hop. Voilà. Pour que vous puissiez voir l'ensemble. Voilà. Et je pense qu'on n'a pas encore fini d'en voir. Là-bas. L'eau, elle est transparente, je ne sais pas si ça se voit bien sur la vidéo, mais elle est vraiment transparente. On vient de se poser à une petite terrasse juste en face de la plage. Donc le nom de la plage, c'est Naiharn Beach. C'est une petite plage sympa, voilà. On y reviendra en tout cas pour venir se baigner parce que c'est pas trop loin de chez nous en fait. Hein, allez, en cyclo, on a roulé combien de temps si on dit qu'on a roulé jusqu'au bout? 10 minutes? Ouais, même pas. Ouais, voilà, 10 minutes. Allez, je vous montre le petit bar. Alors, oui, j'ai rien pour faire un demi-tour à ma caméra, donc je dois faire comme ceci avec le truc de face. De toute façon, la qualité est bien. Et voilà le lieu. Alors, oui, j'ai trouvé E.T. avec son gros doigt et tout, et son gros ventre. Il est magnifique. Hop, voilà. Alors, je me photographie avec E.T. Voilà, j'ai E.T. juste derrière moi. Et Elfi. Avec ça, perchasse Elfi. Moi, je suis prévoyante. Voilà. Et là, évidemment, c'est parce qu'il y a un gamin sur la balançoire, mais on peut aller boire un verre sur des balançoires. Voilà, c'est sympa. Et on attend notre cocktail. Dans la série, je me promène en Thaïlande avec Elfi. On roule, on roule, on roule, on roule, et puis on tombe sur des choses. Exemple, petit temple, ici. Voilà. Et bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller voir de plus près. Salut les petits loups, donc on va manger ici, il est 1 heure plus ou moins. Donc voici Thierry. Donc et voilà ce qu'on va manger. Les nouilles au seafood. Voilà. Donc en fait c'est des nouilles avec des nouilles de mer en fait tout simplement. Ça coûte quoi? Ça coûte 100 bahts ça. Ouais. C'est 2 euros. 2 euros, ouais. C'est 2,50 €, allez hop. Et alors, on a trouvé la boisson. Le fameux jus de citron en shake, c'est une espèce de granité en fait. Il fait super chaud, je dégouline, franchement, littéralement, donc c'est pas terrible. Donc voilà, on vous fait les gros bisous, à tantôt.